Bon matin à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour le message de ce jour, de ce lundi, eh bien 17 janvier 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un joli week-end. Alors, j'ai changé d'oracle et j'ai pris mon petit oracle intuitif. Et j'ai pigé « S'aimer soi-même ». Je voudrais rappeler que si on ne s'aime pas, on ne sait pas aimer les autres. Il faut d'abord s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres, n'est-ce pas? Et vous méritez de vous apporter cet amour dont vous avez évidemment besoin. Et vous en avez le droit. Et vous en avez le devoir. Alors c'est inutile d'attendre que quelqu'un d'autre le fasse à votre place, n'est-ce pas? Qui mieux que vous peut vous pardonner? Qui mieux que vous peut vous encourager, vous féliciter? Alors, pour vous aimer, vous devez accepter dans votre entièreté, avec vos fragilités, n'est-ce pas? Avec vos imperfections et en restant indulgent envers vous-même, c'est important. De rester indulgent, ne soyez pas dur, trop dur avec vous-même. Cessez d'attendre les compliments des autres, n'est-ce pas? Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et dire cela n'est pas égoïste, n'est-ce pas? Pas du tout, on n'est pas égoïste. Lorsque vous aurez appris à vous aimer, vous pourrez aimer les autres et vous pourrez les aimer. Simplement et véritablement dans une simplicité incroyable. Alors lorsque vous doutez de vous, interrogez-vous face à un miroir sur ce qui vous empêche de vous aimer, le pourquoi. Pourquoi vous ne vous aimez pas? Listez ce que vous considérez être vos imperfections et demandez-vous pourquoi. Pourquoi vous ne les appréciez pas? Serait-ce à cause des standards, peut-être de beauté véhiculés par les médias? Des normes sociales, n'est-ce pas? Ensuite, positivez et listez trois choses que vous aimez chez vous et que vous estimez avoir bien faites. Soyez fiers de vous et face au miroir, répétez alors, je mérite mon amour, je n'ai besoin de personne d'autre pour m'aimer. Et à force de le dire, cela deviendra une vérité. Eh bien, nous commençons un très beau message pour débuter cette semaine, n'est-ce pas?
C'est vraiment un très beau message. Tout s'apprend, apprenez à vous aimer. Et je termine avec le message lumière. Je laisse aller. J'accepte ma vie telle qu'elle est. Je ne juge point et je cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ce qu'ils tentent de me faire prendre conscience. Je cesse dès maintenant de combattre. Notre Créateur m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Très beau message aussi de lumière, n'est-ce pas? Wow! Eh bien, je suis contente de commencer cette semaine avec ces beaux messages. Si parmi vous, il y en a certains qui ne s'aiment pas, apprenez. Apprenez à vous aimer, vous êtes une belle personne. Ne soyez pas dur avec vous, soyez indulgent. Si vous avez fait des erreurs, vous avez expérimenté. Pardonnez-vous, aimez-vous. On se retrouve demain, je vous souhaite une excellente journée et d'ici là, je vous embrasse. À demain.